C'est reparti, on va retenter. De toute façon, je connais déjà comment faire. Et boum! Ralentir un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the hell? Quoi? J'ai raté un truc? Qu'est-ce que c'est ces conneries à la con? Hein? Ah, parce qu'il était pas en feu. Ah, salopard de flèche. Après, je sais pas comment je vais faire pour battre Atalante. Soit je m'occupe de Atalante et après je m'occupe de son ours. Soit d'abord de son ours et voilà quoi. Est-ce qu'il y aura assez de jus? Je sais pas. Normalement ça devrait bien se passer. Oh shit, shit, shit. Et boum. Alors si je me souviens bien... Non, c'est pas bon. Ah non! J'ai trop mal joué pour celui-là. Allez vite. Allez, encore. Boum. Eh oui! Bam bam! Super! Allez, on remonte un petit peu l'endurance. Et voilà les gars! Mouah. Alors, par quoi je commence sans déconner? Pas avoir aussi un autre animal. Non, putain, trop tôt. Merde, dépassé. Et bim! Atalante, au pied léger, ne parvint pas à échapper à l'arme de Phoenix. Mais son esprit était libre désormais. Repose en paix. Putain, ça a été long, hein. Fallait juste que je comprenne comment elle fonctionnait, en fait. Et bah voilà les gars, MDR facile. Allez, on se manie. En revanche, il va nous falloir... Ouais, putain. Ah merde. Et voilà. Ok. Alors ouais, on voit un petit peu. Waouh, classe. Alors. Bon, voyons voir ce qu'il nous offre. Confusion ou extase? Es-tu habité? Non. C'est ma tête. Comment peux-tu faire de l'art à un moment pareil? Tu ne sais pas ce qui se passe? Tout ce que je sais, c'est que je l'ignore. Typhon, le monde entier a été pétrifié. Les dieux ont perdu leur essence. Il y a des monstres partout. C'est la fin du monde. Ça ne te dit vraiment rien? Pourquoi s'intéresser au passé quand on peut façonner l'avenir? Tu le façonnerais plus facilement avec des mains. C'est Typhon qui te les a prises, c'est ça? Il te les a arrachées? Torturé encore et encore. Quelque chose comme ça. Tu ferais mieux de t'asseoir tranquillement avec ce Typhon. De discuter avec lui. Et non, mes mains en avaient assez de faire de l'art. Et elles sont parties. Elles n'ont pas pu aller loin. Et qui sait? Peut-être que les retrouver te bousculera la mémoire. Prépare-toi à applaudir quand je reviendrai. Plutôt que de réfléchir à une sculpture, je pourrais sculpter. Au cœur de la grotte, Phoenix trouva un hôtel à la gloire d'Atalante, visiblement réalisé avec amour. Non, je suis plutôt un destructureur de temporalité. Après, je me demande si c'est pas... Ah bah ouais, on peut augmenter. Ah putain, j'aurais préféré augmenter celui-là. Reconstitution de 80% de fréquence. Pourquoi pas? Bon, on va retourner vers la halle des dieux. Quoi? Pourquoi je peux pas? Cet endroit ressemble à un champ de bataille ou à un cimetière. Alors 2 secondes les gars, j'ai quelques problèmes. Alors, on est où? C'est brave. Je t'en prie, je n'en C'est là? Ouais, pratique. Et boum! Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Là, près des portes. Au-dessus de la dévastation laissée, Phoenix vit ce qui ressemblait à une main d'automate. Ah, je peux pas le faire. Dans la poche. Attends, il y a certainement un truc à faire. Il faudrait qu'on pousse tout ça, non? Allez, on y va. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Toi? Tiens, automate oublieux. Tu pourrais dire artiste. C'est la même chose. Regarde, j'ai retrouvé tes mains. Industrieuse amatrice d'art obsédée par Typhon, tu es pleine de surprises. Ne bouge pas pendant que je... Non! N'en manque pas une. Ah non, c'est bon. C'était quoi, ça? Aucune idée. Toujours aucun souvenir, hein? Non. Enfin, peut-être, hein. J'ai travaillé ici. Perles en eau agitée. Feu de forge rallumé. Enfant persuadé et esprit léger. Feu de forge rallumé. Mais oui! Ta forge fait partie de la prophétie! C'est sûrement la réponse! Il faut que tu te rappelles. La forge, la chose lumineuse et bénie qui sortait de tes mains. Tu es un dieu. Flatteuse. Et toi, tu as de très jolis yeux. Mais non, un vrai dieu. Chez moi, j'ai raconté des dizaines d'histoires à ton sujet. Des mythes, des légendes, des dieux et des monstres. Tu es Héphaïstos, le dieu de la forge. Tu te souviens? Je me voyais plutôt comme un Patrick ou Gladys, peut-être. Bon, ça ne marche pas. Il faut réveiller tes souvenirs pour trouver ton essence. Je veux que tu réfléchisses. Comment allume-t-on la forge? Tes conduits d'aération envoient de l'air vers 4 fourneaux à charbon. Un réseau de canaux apporte de l'eau glacée au sommet à l'aide de roues hydrauliques. La combustion centrale est contrôlée par 2 mécanismes situés au cœur de la forge. Comment tu sais ça? Quoi, ça? Peu importe. Dégagez les conduits. Allumez les feux, libérez les roues. Ensuite, quelque chose avec les mécanismes. Reste ici et empêche ses mains d'aller se promener.